Bonjour à tous, je suis Razika, vous êtes bien sur ma chaîne Mes Secrets de Nana. Nous sommes jeudi 19 janvier 2023, c'est parti pour une vidéo à Lidl. Je suis à Lidl de Choisy-le-Roi. On commence par le cuiseur à riz. Alors aujourd'hui, il y a une partie des arrivages qui est spéciale cuisine, donc vous savez que j'aime beaucoup quand il y a de la cuisine. Cuiseur à riz, il est à 19,99€, donc pour une cuisson idéale, optimale de toutes sortes de riz, n'attache pas, ne déborde pas. 19,99€. Panier de cuisson amovible, la cuillère à riz, le verre doseur, donc 1 litre, 19,99€. Alors, donc je vous disais, je suis à Lidl de Choisy-le-Roi. Choisy-le-Roi, ils ont 3 Lidl. Et celui-là, c'est celui qui est à proximité d'Alfortville. Le set mini wok et crêpière, il est à 59,99€. Alors, je ne connaissais pas du tout mini wok. C'est ce côté-là plutôt. Ah bah voilà. Ah bah, hop. Oh, c'est sympa ça. Alors, j'ai dû voir ça peut-être dans une autre enseigne, mais c'est pas quelque chose qui est. Donc on voit un peu partout, ça peut être sympa ça, faire un petit wok. Moi ce que j'aime bien dans tout ce qui est appareil comme ça individuel, par exemple pour les crêpes, c'est bien parce qu'en fait on n'est pas devant la poêle à faire ses crêpes et puis à côté il y a les enfants qui viennent en prendre une, deux. Nous on est là en train de cuire les crêpes et puis arriver à table, des fois on a même plus trop envie, moins envie que si on les avait servis direct. Mais le fait comme ça de faire ses propres crêpes, des petites crêpes comme ça, même avec les enfants, c'est génial. Ou même entre amis, hein, vous faites une soirée crêpe, vous pouvez faire un côté crêpe au début, crêpe salée, et puis vous terminez par des petites crêpes sucrées. Moi, je trouve vraiment que l'idée est pas mal. 59,99€. Donc c'est un appareil de 2 en 1. Donc vous avez les deux en même temps. Pareil, c'est pour 6 personnes. Je vous dis ça, mais vous pouvez commencer aussi par une soirée wok et finir par les crêpes. Là du coup on a grande quantité, environ 4,9 litres, c'est la poêle électrique ou wok électrique, donc c'est la version grande. Alors elle est à 49,99€. Réglage en continu de la température, 33 cm de diamètre, c'était ça, 1800-2200 watts. Et on a encore un autre appareil, donc celui-là c'est le grill appareil à fondue 2 en 1. Hop. Ah ben voilà. Griller et cuire des aliments en même temps. Donc voilà, vous allez cuire vos aliments là. Et là vous pouvez faire vos petites grillades, donc pour faire une fondue. Là du coup là c'est la fondue Océane. 59,99€. Organiser son frigo avec ses bacs, 4,99€. On a celui-là. Ah, moi j'ai celui-là. J'ai des bacs que j'ai acheté ici et j'en ai une partie que j'ai acheté dans une autre enseigne. Alors moi ce bac-là par exemple, je l'utilise pour mettre soit mes yaourts, soit mes fromages. Ça c'est rangé, j'ai juste à tirer, je sais ce qu'il y a à l'intérieur. Je sais aussi que ça peut être sympa par exemple de mettre vos yaourts comme ça au moment de servir vos yaourts. Vous n'avez pas à aller faire des allers-retours au réfrigérateur. Bon là, je vois qu'ils mettent leurs fruits aussi. Mais vraiment, vous mettez ce que vous voulez. Mais c'est bien parce que ça permet vraiment d'avoir un réfrigérateur bien rangé. Donc on a ceux-là et on a aussi donc, du coup, les longs comme ça. Moi les longs comme ça, j'utilise pour mettre mes sauces. Alors moi les miens, ils sont moins, un petit peu peut-être moins larges. Et du coup, je mets mes sauces, pareil, hein, au moment de servir. J'ai juste à prendre le bac quand on a besoin de toutes les sauces. Sinon, on prend sauce par sauce, évidemment. Mais sinon, on prend le bac à table. Je trouve que c'est plus pratique. Bouteille isotherme, 5,99€. On a celle-ci. On a deux couleurs différentes. C'est des 500 ml. Et on a aussi celle-ci. Les ustensiles de cuisine, 1,99€. Donc l'écumoire, la louche à spaghetti. Alors j'aime bien toujours expliquer à quoi servent les deux trous, même si moi je ne les utilise pas forcément et que, vous voyez, c'est ce que je vous expliquais dans les doublons. Je cherche, j'aimerais bien avoir, vous savez, la petite cuillère pour doser les spaghettis, alors que j'en ai une dans ma cuillère et parfois je l'oublie. Donc là vous avez, vous allez mettre vos spaghettis à l'intérieur, donc c'est une dose pour une personne et pour deux personnes.
Et donc cuillère très pratique pour pouvoir attraper vos spaghettis. La louche, la spatule, couteau style japonais, couteau Santoku 9,99 et pour pouvoir l'utiliser en toute sécurité, la planche à découper 5,99. On voit qu'il y a ce modèle là avec la petite poignée en métal et celle-ci. Alors les petites rainures, c'est pratique, hein. C'est si vous découpez des choses, de la viande ou des choses pouvant avoir un liquide, bah, le liquide du coup il va aller dans les rainures, il va pas déborder partout. Le plateau tournant 5,99, donc idéal pour servir justement, présenter vos fromages, vos petits apéritifs. Ça permet de tourner sur la table sans avoir à aller de l'autre côté pour récupérer les choses. Idéal aussi, je le répète à chaque fois, mais dans votre placard. Vous pouvez mettre ça dans votre placard, poser vos pots ou autre, et vous avez juste à tourner pour récupérer après ce que vous avez besoin, sans aller au fond du placard. La boîte à fromage, 5,99 également. Collecteur de déchets encastrable, 49,99 €. La plancha teppanyaki, 34,99 €. Donc on a deux plaques donc pour griller sans matière grasse. On peut griller poisson, viande, légumes. Surface de grille 49 par 27. On peut griller ses merguez, enfin tout ce qu'on peut griller. 2000 watts. Donc 34,99 €. Un autre grill plus petit cette fois-ci, 19,99 €. Donc pareil, hein, griller viande, poisson, légumes. Des fois, moi, je grille aussi mes pains. Des fois, on peut le faire aussi au... Comment on appelle ça? Au grille-pain. Ça dépend de ce que j'ai fait, de ce que j'ai sorti. Mais par exemple, quand je fais des hamburgers pour les enfants et pour moi, je mets mon pain là-dessus, puis ça permet de le réchauffer. Je réchauffe mes tranches de pain de mie. La poêle, 28 cm de diamètre, 19,99 €. Donc c'est la poêle Tefal. Alors est-ce qu'elle va sur induction? Non. Alors, je vérifie toujours parce que il y a des poêles qui ne vont pas sur induction, mais il y a une gamme de Tefal. Alors souvent on va voir Tefal, c'est une marque qui fait tout, mais pas forcément. Vous voyez, elle ne va pas sur induction celle-ci. 19,99 €, elle passe au lave-vaisselle. Les plateaux de service en ardoise. Le lot de deux. 4,99 €. Donc on a les deux qui font 33,5 par 33,5. Sinon on a les rectangulaires 35 par 15, il y en a 3. On a les petits dessous de plat en ardoise, il y en a 8. Mais voilà, on a la collection. 4,99 €. Poêle en fonte d'aluminium 11,99 €, 20 cm de diamètre. Induction, celle-ci donc va sur l'induction. Plaque, vitrocéramique, gaz, électrique. Les planches à découper, 4,99 €. Moi je vous le dis à chaque fois, moi, mes planches, enfin les planches que j'aime bien, c'est celle-ci en plastique, tout simplement. Je trouve que c'est plus facile à nettoyer. Alors elle s'abîme aussi parce que à force ça fait des rainures avec les couteaux. Alors celle en bois j'en ai une, mais je préfère celle-ci. Après ça dépend. Chacun a son choix. Je sais qu'il y en a qui prennent que du bois, il y en a qui aiment bien le verre. Alors les planches à découper en verre, on en trouve rarement, j'ai remarqué. 4,99 €, on a celle-ci, donc on l'a en blanc aussi. On a le lot de deux. Alors pareil, j'en ai une petite comme ça, mais la petite c'est pour ma fille. Des fois elle m'aide à cuisiner. J'ai acheté un couteau spécial pour les enfants, oui ça existe. Et en fait c'est un couteau qui coupe les aliments mais qui coupe pas les doigts, c'est magique. Et du coup des fois quand je fais des petites salades ou des petites choses comme ça, elle m'aide à la découpe, donc j'ai pris une petite planche. Ah, je me souvenais plus, mais les couteaux c'est Chef Club. Ouais, c'est ça. Boîte de conservation 7,99 €.
Donc boîte de conservation étanche et hermétique. On a celle-ci, puis on a les rectangulaires. Et on finit par wok en acier, 11,99€. 30 cm de diamètre. Bon, alors, elle va que sur le gaz. Donc voilà, j'ai fait le tour des arrivages. Cuisine, on va passer aux vêtements. On a la chemise en velours côtelé, 9,99€ droite. Dos rallongé. On a cette couleur. Et on a noir. Alors, au niveau des tailles, on a du 36 au 46, il me semble. 9,99€. Les jeans, alors je vois jambes larges, 12,99€. C'est pas un jean, c'est un pantacourt. Donc large. Ils sont à 12,99€. Taille haute. Et longueur, donc longueur cheville. Donc pareil, on va avoir du 36 au 46. On l'a aussi en noir. Et on l'a en mauve. Bon là, la tendance revient, enfin depuis 2 ans d'ailleurs, petit à petit. De toute façon, c'est ça les tendances, c'est que ça revient petit à petit. Il faut 2 ans au moins pour que ce soit bien installé un petit peu partout. La mode revient aux jeans larges, pas de def et taille haute. Je réponds à une question, je suis désolée, j'ai voulu chercher l'info, puis après je suis partie sur autre chose. Je vous avais présenté ces pantoufles en début de semaine, 5,99€, et vous m'avez demandé jusqu'à quelle taille ça allait. Donc j'ai vu la plus grande taille, c'est 44-45. Jupe salopette velours côtelé, 9,99€. Donc on l'a en mauve. En noir et en vert. Il est très joli le vert. Et on a un jean homme 12,99€. Donc taille normale, jambe étroite. Et donc j'ai l'impression qu'il arrive aussi aux chevilles. Les pulls femmes, 9,99€. Pareil, on a mauve, on a du blanc. Et les t-shirts manches longues hommes, 6,99€. On a noir, kaki et gris. Voilà, j'espère que cet arrivage vous a plu. Vous avez pu trouver des choses intéressantes, alors moi du moment qu'il y a de la cuisine. Puis en plus, j'aime bien, il y a pas mal de nouveautés comme l'appareil mini wok et mini crêpes, c'est assez sympa. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à plus tard.